Ce 4 décembre, Capucine Anna a dû amener son bébé Lola, âgé de 3 semaines à peine, aux urgences à cause d'une bronchiolite. Au lendemain de cette hospitalisation, elle a donné des nouvelles de sa fille à ses abonnés Instagram. Dimanche 13 novembre 2022, Capucine Anna a donné naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Lola. Une joie immense pour l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste et pour son compagnon Victor, avec lequel elle est en couple depuis plus de 2 ans. D'autant plus que le bébé est arrivé en pleine santé, malgré les 3 semaines d'avance de l'accouchement. Depuis cet heureux événement, la jeune maman connaît des nuits perturbées mais apprécie pouponner. Cependant, ce 4 décembre, elle a fait part d'une épreuve à laquelle elle ne s'attendait pas et que redoutent tous les parents. En effet, son bout de chou a dû être hospitalisé. Urgence, SOS, pour ma poupée, a-t-elle écrit en légende d'une photo de Lola. Le lendemain matin, elle a expliqué que son bébé avait une bronchiolite. Elle n'est pas en détresse respiratoire, mais il faut bien surveiller sa respiration, parce que si est un petit bébé et si jamais il faut qu'on revienne, a-t-elle indiqué alors qu'elle était momentanément rentrée chez elle. Capucine Anna inquiète et épuisée, sa fille encore hospitalisée ce 5 décembre au soir, Capucine Anna va une nouvelle fois donner des nouvelles de sa petite fille. Et malheureusement, la situation ne s'est pas arrangée pour Lola, puisque son séjour à l'hôpital se prolonge. Retour aux urgences pour une hospitalisation, a en effet révélé, dans une story Instagram, celle qui aimerait beaucoup garder ses kilos de grossesse. Un bébé épuisé, une maman épuisée qui doit rester forte, a-t-elle écrit sur une photo en noir et blanc, la montrant dans un état de fatigue extrême. Dans une deuxième story, l'ancienne compagne de Louis Sarkozy, le fils de Nicolas Sarkozy, et d'Alain Fabien Delon, le fils d'Alain Delon, a partagé une photo de son bébé allongé sur son petit lit d'hôpital. J'ai le cœur en 1000 morceaux. Voir mon bébé branché de tous les côtés, s'est-elle attristée. Elle a également fait savoir qu'elle ne donnera pas d'autres nouvelles de son enfant avant plusieurs jours, le temps de surmonter cette épreuve. Il ne reste plus qu'à espérer que la jeune femme revienne rapidement sur le réseau social avec une bonne nouvelle à annoncer.